Bonjour à tous, comme promis, un petit reportage sur cette ouverture 2012 à l'étang de Vaux dans la Nièvre. Un aparté sur les locaux de l'ancienne colonie, un beau bâtiment dans un cadre idyllique, l'endroit rêvé pour une maison de la pêche. Alors c'est assez rare pour le noter, le niveau de l'étang est relativement haut. Sur la digue, le pêcheur a les pieds dans l'eau, hein. Bon, ça l'a pas du tout empêché de déployer son matériel, comme d'habitude la digue est hérissée de cannes à pêche. Alors on s'est placé un petit peu plus loin, on va remonter le petit chemin, longer la digue. Bon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Alors en fait, poste à carnassier, pour un jour d'ouverture, ben, on voit surtout des collègues à la carpe. Donc c'est assez original pour le noter. Yesterday was a day like always. Of course you were, you and as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself, why can't love like two reasonable people? So far nothing seems to change, and you don't know it. That is what you really want. Should you step out? It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and step into her tears. She say she loves you and next she hit you in the face. Oh, putain. You are concerned about her health. Oh, no. It's better to be safe. Stay with her. It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and stop to fade, fade into her tears. You think you never. To fade, fade into